Salut YouTube! Et bah ça y est, on a terminé Super Mario 3D World. Donc, comme prévu, on peut commencer Super Mario Galaxy, le premier. Et Guigui te dit qu'on s'est pas vu. Bah, fallait venir sur le stream tout à l'heure, c'est tout. Hein. Ah! Si t'étais pas là, c'est pas ma faute. D'ailleurs, vous aussi sur YouTube, vous n'étiez pas là. Appuyez sur R. Ah! Ah ok. Créer un nouveau fichier de sauvegarde, oui. Donc R c'est pour... d'accord. Je vais essayer une icône. Je veux être Mario. Moi je veux être Mario, c'est tout. Hop! Alors, cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. Maman ! De cette comète, qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se transformèrent en super étoiles. Oui, je sais, je lis comme Chantal Goya. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. Mais non, ça leur a cramé le... Non, c'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Cher Mario, je t'attendrai au château, le soir du festival des éclats d'étoiles. J'ai quelque chose à te donner. Tu pourrais nous lire une histoire avant de couper le soir en fait, clairement. Je préfère des... Oh là là, regardez, il est défoncé. Ça y est, il est déjà dé... il est défoncé le Mario. Ah oui, regardez, je bouge la manette. Ah pas non, vous ne voyez pas. Mais je bouge ma manette. Et je récupère les fragments d'étoiles. C'est parfait. Bon alors, comment on fait? Quoi? Ok. Alors ça, ça... Ah, ça, ça balance les étoiles. Ça, ça fait quoi? Ok. Ok, le long jump. Le long jump, il est là. On peut parler à tout le monde. Mario, tu es notre dernière. Ah non, attendez. C'était quoi la voix de... C'était quoi la voix des Toads? Je sais déjà plus. Ah. Qu'est-ce que c'était? J'avais mis quoi comme voix des Toads? J'aurais foutu une voix à la conne. Sur les Toads. Merde, je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ils auront ma voix les Toads cette fois-ci. Mario, tu es notre dernier invité. Lui, il veut pas parler, lui. Ok, que je m'y refasse, hein. Non, mais elles servent à quoi, les autres touches, là? Enfin, les autres boutons? Le festival des éclats d'étoiles a commencé. Est-ce que je peux... Oh, oh non, c'est pas libre. C'est comme dans Mario 64, la caméra. C'est par cran. Hop. Regardez, je récupère les... Regardez, je récupère les éclats. Bonsoir, Mario. Récupération d'éclat. Toi, vas-y, filme-moi ton éclat, là. Vas-y. Vite, Mario. Viens ramasser des fragments d'étoiles avec nous. On t'attendait. Bienvenue au Royaume Champignon. On est tous défoncés. Le gyro fait l'étoile bleue, du coup. J'ai pas compris. Oui, c'est ça, ouais. L'étoile bleue qu'il y a sur l'écran, c'est le gyro. Bah comme quand c'était les Zizimote. Hein. La Zizimote, fallait pointer à la Zizimote pour... Oh regardez! C'est le même château que dans Mario 64. Ça tombe bien parce qu'on a la même caméra pourrie. Le château se trouve au bout du chemin. Oh Mario, tu es venu? Qu'on peut lui parler à lui? Nous ramassons plein d'éclats d'étoiles. On les appelle aussi des fragments d'étoiles. Ils sont tous défoncés. Il y a plein d'éclats d'étoiles. J'en ai ramassé plein. Heureusement qu'ils n'ont pas appelé ça des...
de la poussière d'étoiles. Hein. La princesse Peach t'attend. Oh, bonsoir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle me fait la manette, là? Ok. Ah, cinématique. Non! On se fait tabasser direct. Quelque chose me dit que ça va chier. Bah j'ai l'impression, ouais. Qui ça peut être? Qui peut être en train d'attaquer le château? Ou AI? Si. Si, quand t'as peur, tout le monde dit ça. Hein. Ah bah oui, Princess Peach. Bah non, mais c'est bon, galaxie que je vais créer. Créer une nouvelle galaxie carrément, quoi. Putain, le mec. Elle est vénère. Un petit vaisseau. Ah, tout le monde a peur maintenant. Voilà Bowser. Tu dois protéger la princesse. Bah lui il est... Allez, je peux secouer? Non c'est bon. Est-ce qu'il y aura besoin de secouer ma Zizimote? Va vite rejoindre la princesse. C'est bien, moi je parle à tout le monde. C'est la magie de Bowser. Quel dé... Putain, ils flippent vraiment tous là. Bon allez, je vais pas parler à tout le monde quand même, on s'est chié. Hein. Allez, on va faire du long jump. Aïe, ça y est. Je commence déjà à me tabasser contre les murs. Allez, on speedrun. Et là, découpage. Découpage au laser. Regardez ça. Était prévu. Pourquoi il embarque le... Je me rappelle plus pourquoi il embarque le château en entier. Il est mégalo. Je suis pas sûr. Hein. La découpe au laser. Mais y a pas la... y a pas le rayon qui fait voler. M comme mégalo. Par contre, Mario, il respire dans l'espace. Hein. Recoucou, Silent. C'était comme Tenable. Hein. Vous allez louper de la cinématique. Hein. Je le ferai après la cinématique. Je m'en voudrais que vous loupiez des choses. Avec cette histoire... super importante dans le jeu. Mario! Oh, ce petit...
Le scénario palpitant. Mais où suis-je? Un petit lapin. Ça y est, tu te réveilles? Alors viens jouer avec nous. Un petit thé comme Tony Hobb y avait tout à l'heure. C'est tout de suite. Thé comme Tony Hobb. Par ici, saute en appuyant sur B. Ah ouais? Je peux faire ça? Oh, c'est trop bien. Jouons à cache-cache. Je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Attrapez-les tous. Je joue à manette pro, ouais. Je voulais ma pièce. Et oui. Il se respecte. Bah. Honnêtement, le jeu. Le jeu au. Comment ça s'appelle? Le truc là. C'est ça, au Joy-Con m'aurait pas dérangé. Hein. Ah là là, tu m'as attrapé. Ah, j'aurais dû me cacher dans le tuyau. C'est qu'il doit y en avoir un dans le tuyau, j'imagine. Regardez, là, il y a un tuyau. Il y a un tuyau. Ça a demandé un R comme Rabia. Ah oui, j'avais pas vu. Un petit R comme Rabia aussi. R comme Rabia. Hop. Et encore un lapin de pécho. Zut, tu m'as attrapé. Mince, j'aurais dû me cacher dans les hautes herbes. Ça y est, vous avez déjà envie de vomir ou pas? Un petit Jean-Michel à vous. Qu'est-ce que tu lui veux, Jean-Michel? Hop, 15 minutes où tu dis les humanités en anglais en live. Je vais pas traduire quand même. Trad improvisé. Oh là là, ça va être une catastrophe. Ça, tu considères ça comme une cinématique? Comme une cinématique? You should certainly help mom. Ok. Avec des fautes, hein. Genre the volant is lava, hein. Attendez, je peux parler au Luma. Sorry. To have make you come real hard. we are currently on an aster. which relied. The Earth and the Space. We call that the Celestial Portal. Il va nous faire une Nelson Montfort. Bah un peu ouais. Un peu ouais. C'est le but non? Alors les deux boutons font pareil, d'accord ok. Our mom is waiting for you up there. Go and listen to her request. Je voulais sur la maison, moi. Moi, je voulais sur la maison, là. Je glisse. I am glissing.
Ah ça y est, bah, ça y est, ça y est, j'ai déjà fait bugger le jeu, ça y est. Waouh. Comment tu tournes avec la manette pro? Je sais pas. Ah je sais pas, ouais, ça va sûrement être un bouton, j'imagine. I've been looking for you for a very very long time. From here. The Celestial Portal. C'est vrai qu'on dirait un peu la... My name is Harmony. Enfin non, my name is... je sais plus d'ailleurs. Oh mais la vigie, mais comme... mais comme... la vigie. I am the tower of... Comment il s'appelle le vieux? I am the tower of Perforas of the stars. To find back the one you wanna fuck, you need the power of love to travel across the universe. Rosalina, by the way, c'est ça. I am giving you this luma. Transformation! You can now tournoyed. check your Zizi mote or press Y to tournoyed. On se régale. I want to tournoi. Just like you. Un malheur. Je kiffe mon idée. Et tu prouves qu'il faut juste oser. Ouais, c'est ça, ouais. A big bad thing. Fall on us. Felt on us. Aïe. Asphalt d'ailleurs, parce que ordeal, oh là là. With this Luma's help, you have to save our friends, the big stars. Attendez, c'est quoi? Mais the stars. Merde, je l'avais. Mais the stars. Merde, mais je l'ai dans Isaac, les fragments. Putain, merde, ça y est, je l'ai plus. Shards. Protect you. Et elle se casse. Et elle se casse. Shards. Ah non, bah joli. Merci Isaac. Oh, I can tournoi now. When you think a thing looks fragile, like this one, shake your Zizimote to tournoyed. You can also use Y. Also. And if you touch an enemy while you tournoi, it will be stunned. Oh! Une canaille! Ah! Oh. I can check! I can check my manette! J'en peux plus, j'ai déjà chaud, je suis en train de faire le connard en secouant ma manette. This is the Star Ring! Sert de base pour le... Secure booty, ouais c'est ça. It is used as a base from launching towards a planet. Just stand next to it to voyage aid.
You can also press Y. Of course. Go. Fly across the galaxy. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yes. Oh! Je devrais mettre la cam en fait. Où vous voyez ce que je fais. Parce que si je suis là toute la soirée, vous allez dire que j'aime vraiment beaucoup le jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Un peu. Oh, une vie. You've just win an extra life. Oh, c'est bien aussi, hein. Le Y, c'est bien aussi. I've been waiting for you. I did prepare. A Sing Star. C'est pas Twitch friendly de se gratter le bouton de moustique en live. Ouais, en plus, no joke. Je me suis fait piquer par un moustique hier. Ce connard m'a pas injecté tout ce qu'il fallait. Et donc en fait, je l'ai senti au moment où il allait se barrer. Et donc je l'ai éclaté. Je me suis retrouvé avec une mare de sang sur le genou. Mais un truc, mais... Il m'avait pépon, mais un truc de taré. Seems you have a big purple necklace with an icon near your neck. Hein? Quoi? J'ai rien près de mon cou. Ah mais j'ai pas lu. But a meteorite is tombed. And it broke into shards. You can't leave this planet. Where are the shards? The parts? Find them. Look for them. But be careful. Where you walk. Pouet. Ben voilà. Donc voilà, c'était le tuto. Ça nous apprend que quand on n'a pas de choix, eh bien il faut trouver les fragments d'étoiles. Tiens. Merde. Hop là. Qu'est-ce que vous avez? Please take me out. Take me out. Ta na 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 na. One of the enemies. Probably a the key. Tournoye. Oh mais oui, c'est bon. C'est bon le tournoiement, on l'a. On a compris. Why do people are speaking in English? Because I bought John Michael. John Michael, up to you. Oh là, c'est génial. J'adore. Le long jump dans ce Mario, j'adore. Thank you. Do you wanna help my friends? Who are up there in the castle. I'm going to transform into a star ring. Use me like you please. Transformation. C'est long un quart d'heure, non? C'est long un quart d'heure, non? Je sais pas. Eh, hey, vas-y! Arrêtez de me battre, hein! Ça fait rien, ces conneries, là!
Alors je finis le niveau et puis bizarre la forme de ce Star Ring. 6 more minutes, oh là. If you lost energy, you can pick up a coin. Oh, a coin, n'oubliez pas les coins sur la chaîne qui vous permettent de faire des défis débiles. Genre, coucou Melzekiel, genre me faire parler en anglais, me faire traduire en anglais. En anglais ridicule, les textes du jeu. To find back your strengths. But I'm sure you're enjoying yourself. Ah oh là 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 là. Aïe! On peut sauter dessus, hein, ouais, c'est ça. Aïe, non, mais non, je veux la pièce. I want the coin. Non, trop loin. I want the... Hop là. Oh yes. One extra life. Ça s'arrête à un moment les coins là ou pas? Alors je peux envoyer les ennemis aussi sur les trucs qui... sur les pics, sur les... l'électricité et tout et ça marche. Hein. Bon je crois que j'ai tout chopé. Oh, regardez. To recover. Oui, c'est vrai. Gimme, gimme, mon coin. After midnight. Oh la gestion de la... Ah non ! I hurt myself today. Vous avez ça ? Ah il est là-bas. Hurry up ! My friends are inside. Blablabla. I don't remember that you were speaking English. Gigit. Gigit is an English teacher. I was waiting for you. Ouais, c'est le bordel. This is a big star. She's our friend. They want to build something out of this machine using the power of the big star. Let's all chat in English. If it continues, they're gonna suck everything and everybody. And all the energy of the big star. And she will fade away. Oh no. I beg you please. You have to stop this machine. Save the big star. Aïe! I hurt myself today. Save the big star. The big master. Aïe! Bon. Aïe. Aïe. Ah! I have to press the switches. Step on the switch panels on the ground to stop the machine.
C'est tout. Si Genius ID, by the way, time's up, you're allowed to... Non, je vais quand même terminer le niveau. Je vais quand même traduire jusqu'à la fin du niveau. J'ai tout fait ou j'ai pas tout fait? Ah, peut-être pas. Maybe not. The fun fact with English is that you have to rethink all the sex jokes. Yes. You're granted a big star. Est-ce que ça a marché? Oui! Il a réussi à redémarrer. Vous avez trouvé une étoile. Portail céleste. La grande étoile emprisonnée. J'ai découvert une nouvelle galaxie. Je viens de tilter que le rythme du début de Abba, Gimme Gimme Gimme, c'est le même refrain que Hung Up de Madonna. Je... Évidemment. Can a body reach number 80? He enjoy chatting in English. Bon non, il fait déjà ça toute la journée, je pense qu'il y en a plein le cul. Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Parce que Harmony était bonne à rien quand même, elle s'est juste barrée. Elle ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux. Ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète, c'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sous l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie? Oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celle qui était chère se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. Les salauds. Bah ouais, il parle anglais une bonne partie de la journée, hein, pour le boulot. J'ai un service à te demander, cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons les dômes. L'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. Tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super les étoiles et leur casser la gueule. Reblacky, do you want to sauvegarde? Yes. Voilà, le lore. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles pour accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Oh, c'est beau, hein. Je crois qu'il y a des trucs planqués même ici. Là, je crois qu'il y aura, Luigi qui reviendra, après. Lire, garage, réparation, tout modèle. Ça prend ma 206. C'est le garage du vaisseau spatial. Il me semble que ça sert à rien. C'est ici que je fais une sieste. Il me semble que ça sert à rien de, gagner des vies dans celui-là. Dans ce Mario-là, parce qu'il ne sauvegarde pas les vies, je crois.
C'est dès que vous relancez le jeu, de toute façon, vous repartez avec, avec 20 vies ou une connerie dans le genre. T'as raté, ouais. T'as raté mes traductions. Mes magnifiques traductions. Voici un nombre de dômes, le plomb, la terrasse d'observation des étoiles. Quand tu veux te reposer, appuie sur plus. En sélectionnant arrêter la partie, tu peux enregistrer ton aventure et te reposer. Tu veux vérifier les commandes, il suffit d'appuyer sur moins. Les actions de base et les actions spéciales sont toutes répertoriées. Bienvenue, ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile. Crampon avec. Ouais. Appuie sur A. Ouais, plus machin, réinitialise la position avec R. En mode portable, il suffit de toucher. Vachement pratique. Salut Twinsen, comment tu vas? Et donc je fais ça et je fais ça. Hop là, vous avez vu? Oh! Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Le nombre qui sont inscrits indique leur distance par rapport à l'observatoire. Autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. De toute façon, je peux aller que là, alors. Debout depuis 4 heures. Ça fait seulement 4 heures que t'es debout. Eh ben, dis donc. My English is too bad, but I understand little. And I don't speak English very well. Patatart qui me dit bonjour à moi. Oh, bah, rebonjour, Patatart. Ça me fait plaisir que tu me redises bonjour. L'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous. Mais elle semble également être entourée d'une aura maléfique. Fais bien attention. Fais attention, Gérard, fais attention. Ah non, pas toi. Twinsen. Zut. Je suis pas doué. Merde, j'ai pas lu. Planète œuf. Des planètes, des œufs. Et Dino Piranha. Poète. Alors on peut récupérer déjà souvent des fragments. Voilà, hop. Vous voyez, quand les niveaux commencent, paf, direct. Alors, eux, on peut leur balancer des merdes, normalement. Ouais, regardez. Hop, vous avez vu. Et du coup, ils s'arrêtent. Paf, je lui balance une merde. Paf, je le saute dessus. Alors, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc régulièrement, il y a des fragments d'étoiles en fait qui tombent. Tu peux ramasser les fragments d'étoiles simplement les touchant avec le curseur étoile en mode portable. Oui, tu peux aussi les ramasser en touchant l'écran. 50 fragments d'étoiles te donnent une vie supplémentaire. Alors pointe, bonne récolte. Hop là. J'ai presque bouclé ce jeu, il me reste une seule étoile verte, trop difficile pour moi. Alors pour les 120 ou pour les 240? Parce que une des caractéristiques du jeu, c'est que derrière, vous pouvez le refaire. Vous avez les 120 étoiles avec Mario. Et après, vous avez de nouveau 120 étoiles avec Luigi. Ok, alors... On va aller ramasser les fragments. Aïe. Je sais plus si j'avais fait les 240. J'ai un doute. Il y a des fragments là. Moi je veux mes fragments.
Vite, dépêche-toi. Non. Oh, regardez. Regardez comment c'est beau, la gravité. Ah d'accord, on y vient là, ok. Je m'attrompis. Je croyais pas que ça faisait ça. Ah là, il y a un truc orange là. Pourquoi là, il y a un truc pas pareil? Je veux ça, hein. Ah oui, les fameux. Voilà. Et là, quand il y a des trucs comme ça au sol, vous pouvez taper dedans, voilà, et ça vous donne des coins. Ça joue pas trop mal, hein, la manette. Hein. Ah, par contre, quand elle me fait ça, ça j'aime pas. Moi, je suis arrivé là, moi. Il y a un, puis un, retourner à l'observatoire, gna 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 gna. Bon. Let's go. Merde, c'est pas par là. C'est l'autre coin. C'est l'autre. On va aller de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est-il que nous avons ? Mario Galaxy 2, je l'ai booké en entier. Crotte. Ah mais j'ai un machin au-dessus de la tête là. Non 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 non. Putain. Ça y est, premier décès. Quoi? Pourquoi je suis là? Ah oui, d'accord. Je comprends. Non! Aïe! Aïe, elle me fait écraser. Sont pas des niveaux les plus difficiles, sont... Je sais, je l'ai fait le... je l'ai fait le jeu. Imagine ce jeu en VR à la première personne. Ah bah, imaginez-moi vomir pendant des heures. Là, c'est juste le temps que je me refasse à la perspective, quoi. C'est uniquement ça, mais je pense que... Voilà, le jeu, ça devrait aller, ouais. Voilà, fallait pas sauter en fait, fallait tournoyer. Quoi? Bon, y a des fois on voit rien.
Mais non mais... J'ai pas encore compris trop... Attendez, faut que je m'y refasse. Faut que je m'y refasse, c'est tout. Ah, faut que je me refasse à la perspective, faut que je me refasse à la gravité, là. Voilà, en fait, faut que je passe par là. Ah, il y a une petite merdasse, là. Voilà. Oh, il y a un truc. Merde, non. Je vais m'en prendre plein la gueule. Je vais pas kiffer, hein. Regardez, je peux faire ça. Paf. Et là, je récupère... moult fragments. Vous avez du mal à claquer, ouais, mais c'est... C'est le début, c'est normal. Après, on s'y fait. Après, je vais commencer à rebourrer à mort avec du long jump et tout. Vous allez voir. Ça va être fou. Ah non, merde, c'est là où ils sortent. D'accord, j'avais pas compris. J'ai cru que c'est par là qu'il fallait que je rentre, moi. Attendez, je peux aller dessus ou pas? A priori, pas grand chose. Attendez, il y a un truc. Hop là, merci pour les fragments. C'est sympa de confondre la sortie pour une entrée. Qu'est-ce qu'il a à me dire lui? Attention! Avoir tournoyé attend que le Luma soit revenu pour pouvoir tournoyer à nouveau. Ouais bon, y a un recover, ok. Y'a un recover. D'accord, ok. J'ai pensé à les ajouter quoi ça? De quoi? De quoi j'ai pensé à les ajouter? Tiens. La gueule. Ils sont derrière? Pas du tout, c'est des amis qui sont derrière. Y'a des... Il y a des... En fait, j'ai embauché des gens qui sont derrière le fond vert. Et... qui font les rires. No joke. Hein. Dans un facepalm. Qui se déclenche automatiquement à mes messages. Pas con, pas con, pas con. Sbram! Il y a des s'énervent. Boing! Regardez, ça n'a encore plus. Pan! Pan dans sa mouille! Aïe! On va pan dans la mienne. Et il s'est moqué! C'est pas gentil. Tiens! Ça prendra ça. Alors, il y aura pas mal de... En fait, il y aura des comètes à un moment, des comètes spéciales et, qui changeront un petit peu les niveaux. Et une des comètes, son principe, c'est qu'il faudra faire les boss sans mourir. Enfin, sans se faire toucher. C'est des bons petits challenges, ça. Pouette, 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 pouette. Ok. Alors les fragments, ça servira avec un seul point de vie, c'est ça, ouais.
Bah du coup sans se faire toucher quoi, parce que si t'as qu'un point de vie et que tu te fais toucher, tu meurs. Tu as dû remarquer les éclats d'étoiles en brillant un peu partout, n'est-ce pas? On les appelle des fragments d'étoiles, et nous les humains sommes très friands, c'est notre source d'énergie. Pointe l'écran et vise hein, pour les ramasser en mode portable, tu peux aussi les ramasser en les touchant. Utilise ces fragments pour tirer sur tes ennemis en les visant en appuyant sur ZR, ça j'avais déjà trouvé. Faisons un essai, vise-moi et donne-moi les fragments d'étoiles, tu veux bien? Alors. Bravo, disons que ce sera ma rémunération pour cette leçon. Fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec des lumas affamés qui t'en remercieront. Aucun souvenir de ça, moi. J'ai pas dû le finir, ce jeu. Ouais, en fait, tu retournes dans les mondes plusieurs fois, en fait. Donc, il y a des endroits différents, donc après, c'est le monde est changé. Il y a aussi les comètes... je sais plus comment ça s'appelle. Les comètes farceuses ou un truc dans le genre. Il me semble que ça, c'est les comètes farceuses. Et qui mettent des contraintes. Qui mettent des contraintes en fait sur les niveaux. Et donc il faut bien récupérer aussi les fragments d'étoiles. Parce que quand vous êtes dans un niveau et qu'il y a un luma et qu'il vous demande je voudrais les comètes avec le chrono, effectivement il y a aussi des contraintes de temps. Et donc ouais, quand ils vous demandent de leur donner de la bouffe, bah faut les avoir les fragments quoi. Donc et donc là par exemple, on voit que je peux retourner dans ce niveau là et il y a encore 2 étoiles. Donc bah on y retourne. Et on peut choisir évidemment laquelle on veut. Donc on peut retourner à celle-là si on veut, si on a loupé un truc par exemple. On va passer à la suivante. Et par exemple, là, c'est un luma. Quand je vais lui donner des trucs, ah, il peut me filer soit des champis. Ah, il y a ça aussi. Je sais plus si. Faut faire quoi? Sauter? Non? Non, faut faire quoi ici? Merde, je sais plus. Faut tournoyer. Si tu te souviens, tu peux tirer sur les fragments d'étoiles en appuyant sur ZR. Vis bien ta cible avec le curseur étoile, appuie sur ZR. C'est très efficace contre les ennemis et certains obstacles. Merde. Non, c'est bon. C'est bon, c'est passé. J'ai cru que j'étais à côté. Allez hop, des vies, mais des vies ça me servira à rien donc Wahoo! Il me voit pas? Et lui il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Quelle espèce de naze. Il m'en demandera 100 a priori, on verra bien. C'est vrai qu'il y en a qui demandent des pièces.
Merde, à côté. Bra bra bra. On peut monter sur l'arbre. Oui, on peut. Ah, je peux lire, regardez. Absent pour l'éternité, si vous souhaitez entrer, veuillez utiliser le tuyau de l'autre côté. Ah, there is a tuyau. On the other side. Ah, c'était celui-là en fait. D'accord. Ah mais oui, d'accord. Ok, le luma est là. Ah, si, un de mes camarades très gourmand. Tu rencontres, vous en avez bien côté sa requête, hein, vise-le. Tu joues en mode portable. Ouais, oui, 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 j'ai compris. J'ai compris. Ah oui, alors ça c'était chiant ça. Alors ça. Non, c'est bon. Mais... Aïe! Je m'ai pris le truc. En pleine tête. Tiens. Voilà. Ah oui. Yeah. Viens là toi, viens. Merde. Ah merde. Ah, va falloir que je me refasse sur les distances. C'est chiant de... Après c'est une question d'habitude hein. C'est une question d'habitude, ça va revenir, mais... Ok, bon, je crois que j'ai tout fait, là. Merde, j'aurais pas aussi... Ah, mais il y avait un truc entre les deux. Oh, merde, j'ai loupé. Vous avez vu, en fait, à un moment, il y avait un... Il y avait encore un SingStar. Et en fait, il fallait que je bourre quand j'étais dans le SingStar. Ça m'aurait emmené ailleurs. Là, j'en ai un. Là, j'en ai un autre. Ah, oh, ça c'est le gros, ça. Aïe. Je vais prendre le petit. Voilà. Regardez ça. Regardez. Hop. T'as vu? Arnaqued. Merde, en fait c'est moi qui me suis fait arnaquer. Il m'a ramené là. Enfoiros. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça, mais je crois que la caméra de ce jeu me fout la gerbe. Elle est particulière. Hein. Regardez, il y a monsieur le luma. Il y a le luma glouton. Merde, faut lui parler d'abord. Ding ding, et toi là? Tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein. Ding ding, je veux des fragments. Oh merde. Si tu m'en donnes 100, je me transformerai. Transformation. Pam 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 pam. Hop, nouvelle planète. Et donc, bon, à ma prochaine venue.
Ou peut-être maintenant d'ailleurs, non? On va voir. Et voilà, donc on débloque. Alors évidemment, c'est de plus en plus compliqué de les avoir. Et ça va devenir de plus en plus cher de débloquer des nouvelles planètes. Ah, ça nous y emmène. Merde. De plus en plus cher. Ouais, bah oui, bah c'est... Merde. Ah, je l'ai vu venir. Ah bah Mario, les Mario c'est des jeux de capitalistes, hein. Ça par contre, faut pas y faire grand chose. Hein. Bam 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 bam. Je pense que si j'avais la manette en main, ça me ferait sûrement pas la même sensation. Du coup je file et je suis bien navré. Bah cher, believe. Ah merde. Oh merde. Do you believe in life after love? Bah des bisous Blacky et bah écoute, merci d'être venu vomir avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous le vomi ici, on adore ça. Je vais peut-être me faire un petit coup de... un petit coup de deadcore juste derrière, ça pourrait être pas mal, non? Coup de deadcore après, là. Putain, tu chantes du Cher? Bah ouais. Bah quoi? Je devrais pas? Pourquoi je devrais pas? C'est beau, regardez. Vous avez vu? J'adore Cher, je pourrais t'épouser aussi. Bah non. Tiens, il y a une autrice qu'il faudrait que... Enfin d'ailleurs, c'est pas une autrice d'ailleurs, c'est... C'est une personne non binaire. Donc une autrice. Il va falloir que je me renseigne. Qui a écrit un bouquin sur le... La fin de... Du monde hétéro. Mais c'est la fin du monde hétéro, pas au sens devenez gay quoi, hein. C'est la fin du monde hétéro au sens tout ce qui est sociétal. Donc que en fait quasiment tout est créé pour des couples en fait. C'est enfin, c'est rigolo parce qu'a priori elle parle de... Désolé, en même temps je me concentre. Elle parle par exemple des logements HLM en fait. Qui, si vous êtes célibataire, les logements HLM c'est quasiment... La fin du monde hétéronormé, ouais. Bah du coup ça te parle peut-être Silent, le bouquin, non je sais pas. Ou si t'arrives à... Si t'as... Si, enfin si t'as le... Mais non, bah, je vais pas faire ça. Regardez, je pense que je peux faire ça, non? Tac. Merde. Vous avez vu? Hop. Merde. Je vais y arriver. Attendez. J'ai réussi tout à l'heure. Allez, speedrun. Voilà, vous avez vu? Y a pas besoin de faire le tour.
Ça te parle, mais tu retrouves pas le titre pour l'instant. Mais A priori, le bouquin vient juste de sortir. Non, je veux pas me faire écraser là. Mais voilà, justement, du coup, elle parle de bah pourquoi on pourrait pas vivre entre potes en fait. Quel con. Pourquoi à chaque fois que les colocations ouais c'est ça les colocations après 30 ans c'est forcément tendancieux quoi. Oui. Ah non d'accord, il est de l'autre côté. On va finir comme ça je crois. Bah attends si j'ai envie hein. Ça me demande même pas elle. Elle me demande même pas. Non puis t'es trop chiante. T'es trop chiante avec tes chats. Tes chats ils aiment pas le mien. Et d'ailleurs c'est quand le nouveau miaou? C'est quand le nouveau miaou? Ok, alors. Allez, speedrun! Hop là, vous avez vu ça? Vous me donnez 2 semaines. Vous me donnez 2 semaines, je speedrun le jeu, moi. Ah merde! Mais barrez-vous! Ah, je peux retomber par là. Non. Ah non, je peux pas retomber. Ah non, je peux vraiment pas retomber en fait. Grande maison à 4 avec nos. Oh, ah non, non, non! Ah non, non, non! Ah non, non! Ah non, 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 hein! Ça va aller, hein! Avec ses parents ou Tony Hobb, quel est le pire? Vivre avec toi. Ça donne quoi les trucs bleus là? Je sais plus ce que ça donne. Ça coûtera moins cher que les pads. Bah c'est sûr, oui. Par contre, moi... je donne pas cher de ma peau, hein. Non, attendez, hop, je chope. Et je chope. Enfin, je sais plus comment on fait. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Bam, 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 bam. Bram. Bam, bam, bam. Avec moi, c'est le paradis. À d'autres. Un appétit cosmique. Ah, une nouvelle galaxie. Ah, bravo. Grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus notre champ de vision s'élargira à ce que nous puissions enfin découvrir la base de nos ennemis. Neptune, jeudi. Chiant car jardin pas du tout fini, donc bruit pour son arrivée. Alors, je peux débloquer ça maintenant. Je suis bien content. Mais je peux retourner là quand même, parce qu'il y a une étoile. Pouette, 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 pouette. La flotte de Poulpobos. En 2 jours, il a pas fini la pelouse le gars. Bah tu m'étonnes, bah, vu comment elle était la dernière fois que je suis venu, je pense que c'était pire. En même temps moi, faut que je le fasse là. Faut que je le fasse, je pense que je vais galérer.
Je pense que je vais un peu galérer. Ah, faut aller là-bas. Faut aller là-haut, vous avez vu. Le jeu nous indique d'où qu'il faut aller. Tu veux que j'amène la mienne? Non, ça va aller. Au pire, je vais demander à ma voisine. Au pire, je vais demander un coup de main à ma voisine, c'est tout. Je pense qu'elle ne me dira pas non. Ah, j'ai loupé ma pièce. Ta-na-na. Ok, là on est bon. Oui, j'allais en haut. Ah, ça pêche le voisinage. Non, mais j'étais super ironique en fait. J'étais super ironique, on peut pas se blairer avec ma voisine. Mais genre on peut pas quoi. Enfin, moi je peux pas. Moi je peux vraiment pas la blairer. Et puis elle a 60 balais quoi, tu vois, donc c'est pas... J'ai rien contre les personnes de 60 ans, hein, mais c'est pas mon kiff, tu vois. Et en plus, elle a pas de pognon. Tu vois, donc y a rien qui va, quoi. Moi je peux pécho le paysagiste si je veux. C'est toujours ton pote non qui vient ou... Ou c'est quelqu'un d'autre? Je suis charmante et mon mari... a de la chance qu'il m'a dit. T'as fait venir qui? Je suis revenu des courses. Il y avait deux ouvriers en haut de ma rue, genre 25 ans, torse nu, abdos d'acier, imberbe, grand. Non, Julien est pas venu. Ok. T'as toujours des nouvelles, tiens, d'ailleurs, ou pas hein? Du petit Julien. Merci Mario. Pour te remercier, je vais te révéler une astuce. S'il y a des trucs piquants que tu ne peux pas approcher, lance-leur des noix de coco en tournoyant. Tournoyer, agite, machin, les trucs, machin. Bidou. Super. Ah, des trucs piquants. Hop. Merde, non. Nanana. 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 Et je peux pêcher celui-là aussi. Ouais, je l'ai vu la semaine dernière, vite fait en plus. Je lui ai dit que j'avais trouvé ailleurs. Basta. Ok. Ah, ce que tu lui avais proposé, mais il a pas pu venir, c'est ça? Ah, j'ai le cul dans le sable, c'est rigolo ça. C'est rigolo, dis donc. Merde. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à récupérer? A priori, non.
4 semaines que je l'attends, faut pas pousser. Ah oui, effectivement, ouais. Merde. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'il y en a-t-il d'autres ? Oui. Ramasser des pièces. Prends des pièces. Alors. Hop là. Sinon le 10 août je vais avoir ma deuxième dose. C'est cool ça hein. Fais gaffe aux effets secondaires sur la deuxième dose hein. Enfin moi je sais que... Je sais que sur la première j'ai eu que dalle de chez que dalle. Et la deuxième ouais elle m'a fait un peu plus mal quoi. Enfin c'était une connerie hein. Voilà c'était juste... HS pendant une journée c'était pas non plus la mort quoi mais... Mais prévois quoi. Dis-toi que le lendemain, pendant 24 heures, tu peux être HS quoi. Mais c'est très bien que tu le fasses. Ah, d'accord. Vous êtes devenu marée arc-en-ciel, aucun ennemi ne résiste aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dommage. Ah mais oui, regardez, je peux péter le maintenant. Merde. Ma première ne m'a rien fait également, juste le bras sensible la soirée. Bah, c'était pareil en fait, j'ai eu des douleurs dans le bras sur la première quoi. Mais ouais, dans la deuxième, 24 heures HS quand même. Idem pour moi la deuxième, je me sens en forme maintenant. Avant, même système immunitaire boosté, je pense. La grippe. Ah merde, je regarde pas. Zbalalam. Oh, oh, regardez. Je surfe. Tum tum ta-na. Tum ta-na. Ah oui, je me rappelle. Tiens. Tiens. Prends-toi ça. Trois jours entiers, enfin deux jours et demi. C'est long quand même, mais bon, je suis jeune. Ça va le faire. C'est a priori, moi, justement, des infos que j'ai. Des infos... que non officielles que je peux avoir de l'entourage. C'est plutôt justement chez les jeunes que... Qu'il y a des...
que vous pensez qu'il faut aller au bout ou pas? Je crois, non. De toute façon, on tombe direct. Non, on tombe direct. Je peux pas régler la caméra, on tombe direct, je pense qu'il n'y a rien au bout. Donc ouais, a priori, c'est pire chez les jeunes. Mais merde! Bon, je vais essayer le triple. Hein. Mais pourquoi ça marche pas? Mais. Allez, voilà. Hop là. J'ai réussi en trichant. Je voulais faire ma première dose de vaccin HPV 2 semaines après. J'espère qu'il n'y a pas de contre-indication. A priori, non. A priori sur les vaccins. C'est pour ça qu'ils ils en font plusieurs en même temps et tout. Le but c'est de pas charger ton système immunitaire quoi, donc il a assez à bosser. Pam pam. Donc il y a des champignons spéciaux qui vous donnent plus de vie. Donc par exemple là j'ai 6 points de vie. Le truc c'est que si je les perds, je retombe à 3 et je pourrais pas remonter à 6. Par contre, tant que je suis toujours au-dessus de 3, je peux garder les 6 points. Il demande si on a fait... Ouais, je pense que c'est pour pas... Le mieux, ouais, c'est de demander au doc, ouais. J'ai pas eu celui qui était tout en haut. C'est dangereux par là. En cas de besoin, tire des fragments d'étoiles sur les lumières au sol. Fera pousser des pièces qui permettent de regagner de l'énergie. C'est tout gluant, c'est dégueulasse. Oh, un ploup. Regardez, c'est un ploup. Ça, je veux pas. Bam! Bam le ploup. Oh, mais plante à mouille. Et voilà, c'est tout. On a vu plus dur. Hein. Le poulpe dans Mario 64 et dans Mario Sunshine est plus compliqué. Ah, c'est Bowser d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, c'est même pas un poulpe, c'est Bowser dans Mario 64. Je suis con. Le truc autour de la piscine là. Oui, c'est Bowser. Hein. Bam, 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 balabam. Alors là, vous voyez, toutes les étoiles normales sont faites, donc il faut que je passe ailleurs. Envole-toi, Mario Abeille. Je crois que c'est dans celui-là, il y a un timer. Il me semble que dans celui-là où il y a un challenge de vitesse. Là, je peux choisir l'angle de caméra. Oh, une vie derrière, regardez. Elle était cachée. Salut Kemel, comment ça va?
Je passe dire bonjour, comment va? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. J'espère que toi aussi. Et on est sur Mario Galaxy. Je suis tellement content. Tu es ici sur notre territoire, le royaume des abeilles. Il est gouverné par Sa Majesté la Reine. Super. Oh, regardez, je peux tourner la caméra comme dans Mario 64. Quelle horreur. El Nouveau va saluer Sa Majesté. Pourcent de château, c'est tout droit. Merde. Bah, je suis tout droit, quoi. Non, y'a rien, non, y'a rien. Tu es capable de voler très haut. Plus haut. Oui, plus haut. Que tous les soleils qui manquent à tes rêves. Plus haut. Oui, plus haut. Voilà, ça s'est fait. Hein. Comment ça, la violence? La violence parce que je saute sur des ennemis, c'est ça? Ce n'est pas le chemin du château ici, tu sais. Trop en rouge et bleu, quel mauvais goût. Un champignon. Hop, ça je l'ai eu. Bonjour Miss Genius Aka, celle qui carry. C'est Mister Patatarte et Bibi. Quoique c'est Miss ou Mister pour Bibi, j'ai un doute. C'est une femeuf. Bibi la diva est une femeuf. Du moins elle s'identifie comme telle. C'est pas Miss d'ailleurs. Ah si, c'est Miss. Oui. Nananananananana. Alors faut pas aller dans l'eau. Regardez, si on va dans l'eau, paf, on le perd. C'est dommage. Je m'entraîne pour pas tomber dans l'eau. Voilà, regardez. Elle nous le dit. Nanana. Sur ce, je vous laisse les gens juste passer dire bonjour à la base. Ok, bah merci beaucoup. Ça fait zizir. Hop. Oula. Est-ce que je peux faire des wall jump? Non. Je peux pas faire de wall... Ah bah oui, mais regardez. Je peux perdre le costume. Et ensuite, c'est wall jump. Hop. Quoi? Merde. Non mais arrête. Voilà. On va faire pareil là. Hop. Voilà. Voilà même. Hop là. Et tout le monde meurt. Allô? Ouf. Ah, est-ce que je vais pas avoir une étoile? Ouais, je voyais bien l'étoile là. Hop, ouais voilà. Je suis très content hein. Bra bra bra. Tout. Ah oh. On peut appuyer. Merde, je n'aurai plus rien. Arrête.
Ah non, c'est pour être... Oh, d'accord, ok. J'ai compris. Oh là, on peut aller tellement, dans... ah, tellement d'endroits là. Avec le petit costume là. Ah merde. Et que je récupère avant de repartir. Ok, ça, ça marche pas. Oh là là! Regardez au fond. Il y avait un M comme Mario. À part de la cascade, tu peux recevoir le château de Sa Majesté. Super. Je suis ravi, écoute. Je vole. Regardez, il y a des ombres. Il y a des ombres au sol. Comment ça se fait? Ah, mais c'est parce qu'il y avait des pièces. C'est fou. Il est ouf ce jeu. Tu vois là-bas, c'est notre château. Ce trou mène au château. Ah, oh, il y avait une... Il y avait une vie derrière, quoi. Bam 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 bam. Je sens bien l'arnaque, non? Alors, qu'avons-nous? Mais il bouge ce petit connard. Il veut pas que je touche. Le truc pas risqué du tout déjà. Tu vas être au bord comme ça. Voilà, file-moi une pièce toi. Hop, et de 1. Y'a un truc, y'a un truc dans les herbes. Aïe! Mais reviens. Reviens, petit con. Merci. Attention, parce que là j'ai plusieurs... Merde. Là, je peux venir ici. Je peux aller sur l'autre. Parler. Un tournoyer autour d'une tige lorsque tu l'as attrapé. Ah, regardez. Regardez les petits malins. Chez les petits malins. Un ours aimable, gentil et câlin. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Alors je crois qu'il y a un truc qui la gratte, la reine abeille, il me semble. De mémoire. Ça, c'est un mur de miel. Nous autres, les abeilles, pouvons nous y coller. Nous autres? Quoi dit nous autres?
Ça voit bien que je suis pas une abeille pourtant. Parce qu'on me dit, en fait, depuis le début, elle s'en fout de combien on s'appelle, qu'est-ce qu'il... Hein, elle s'en tape. On est son larbin. On est son larbin, elle s'en tamponne le coquillard, quoi.
Mario, je sais pourquoi ce nom me rend nostalgique. J'ai conduit tes amis au garage. Ah mais si, c'est la pub dont je parlais. Mais je connaissais pas la pub. Bah voilà. J'ai conduit tes amis au garage. Il semble avoir des choses à te dire, tu devrais aller les voir. Partie sauvegardée. Oh, ils sont partout maintenant. Bonjour Mario, tous les autres sont par là-bas. Où sommes-nous? Je veux entrer à la maison. Mais c'est trop rigolo. Des heures je peux faire ça. Mario, je sais pas trop comment, mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous allons t'aider à secourir les super étoiles et la princesse Peach. Tu peux compter sur nous, Mario. Nous trouvons donc sur la base mobile de cette harmonie, mais qui est-elle donc? Serait-ce une sorcière? Non, bien sûr que non. Les humains vont nous aider à construire un vaisseau spatial. Quand il sera terminé, nous pourrons chercher avec toi la princesse Peach et les super étoiles. Trop sympa, trop sympa. Franchement, trop sympa. Non, mais attends, il est trop mignon le petit singe. Il est trop mignon le petit singe. Tu dis pas qu'il est moche, hein, le Kiki. Hein. Tu dis pas que Kiki, il est moche, hein. Non, mais attends. Genre, Kiki, il est moche. Vise-toi le crampon. Moi je vais regarder par... Moi je vais regarder le télescope. Je voulais regarder le télescope. Bande de salauds. Vous n'avez pas assez d'étoiles. The Baldi. Il s'envoie en l'air avec un toad. Zbam bam. L'incident de la tour d'observations. Première chose à faire. Allez récupérer la vie, bien évidemment. Il y a eu des éboulements. Voilà. Ah, des éboulés. Comme Isabelle. On a besoin des vies. Ah bah oui. Surtout si j'arrête le jeu, en plus je repars à 4 vies là, donc exerce à la charge au sol. Rigolo. Ah bah si je suis aussi bon que dans 3D World, j'en ai besoin des vies. Hein. Bam bam. Bam bam bam. Pourquoi il y avait ça? Pourquoi il y avait des nénuphars là? Je crois qu'il se vénère lui, non? C'est ça. Tum. Tum, tum. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Le puncher aussi ça. Ok. Parlez, je suis le grand panoda fichage. Oh là là. Le grand panoda fichage.
Ah, si tu veux savoir comment bien escalader ces murs, écoute-moi bien. Ah oui, wall jump. Et wall jump. Ouais, wall jump. On peut rentrer là, regardez, il y a un trou, non? Non, bah, tant pis. Ah non, d'accord, c'est creux après. Le grand panneau d'affichage. Ouais, ouais, ouais. Quoi? Ah, faut pas que je reste à côté, sinon ça me... Ok. Ah! Bah au moins. Moi je suis arrivé là quoi. Super Mario Boy, pourquoi Super Mario Boy? Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Ok, ça fait que ça. Par contre, le saut contre les caisses me faisait penser à Super Meat Boy, d'accord. Okay. Ok. Oh non! Merde, il y avait ça en plus à côté là. Bram bram. Putain. Évidemment. Il va falloir que je m'y remette d'ailleurs à Super Meat Boy. Hein. En parlant de ça. Hop. Allez. Ah merde. Putain, ça m'a foutu à côté. Bon, ça va pas. Ah, on s'en fout. Viens, on va faire ça. Hop, hop. Ouais, plane, plane. Bam, 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 bam. Bram, bram. Tout ça parce que j'ai fait un sauvrille en plus quoi. Y'a pas de chrono dans Galaxy? Non. De base, non, y'en a pas. Heureusement d'ailleurs parce que c'est pas mal de l'exploration quand même, Galaxy donc. Bon allez, on va s'arrêter là du coup.
On va y aller à fond là. Hop, c'est super. Ouais, je peux récupérer des pièces. C'est génial. Donc là, une fois que... Hop, voilà. Faut pas que je refasse le con à refaire un saut derrière, en fait. Ou j'y aille direct. J'ai oublié de reprendre la vie, c'est pas grave. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Dan 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 dan. Des nouilles dan dan. Est-ce que j'ai besoin d'aller sauter sur le truc? Non, évidemment que non. Ah, attention, faut pas que je lise le panneau. Hein. Voilà, sinon ça me prend trop de temps. Oh, je sais pas. Des fois, il fait des sauts super hauts. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Hop là. Quoi, ça n'a pas récupéré? Ça a juste mis du temps. Aïe. Pff, c'est chaud, hein. J'ai failli me faire avoir. Hein. Alors, le gros champignon, là. Hop. Et je change de gravité. Grande panoda. Ouais. Dun 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 dun. Aïe. Ah mais t'arrête hein. Arrêtez de me toucher hein. Ah merde, le retour. Je me suis pris le retour quoi. Pouette, pouette. Bon, ça a donné quoi ça? Merde. Je le prends toujours à la fin, hein, c'est fou. Hein. Vite. Ah oui, d'accord. Non, 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 non. Oh là là, putain. Je serais tombé comme un sac. Pas un truc là, regardez. Mais... Ah, merci. Ouf. Bam 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 balam. Bam 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 balam. Je peux remonter. Par là. Merde. Voilà Reine au fond, tranquillou. Regigit. Vas-y qu'on te met le moulin en route là. Aïe. Merde.
Tiens, j'ai tué ton gamin. T'as vu? Je t'ai tué ton gamin. Qu'est-ce que tu dis? J'ai raté des trucs, mais je voulais dire que un kiki n'est pas moi, je trouve. J'ai les trois kiki de mon enfance même. Deux, Bibi, tes photos de Tonyob sont extra, bravo. Ouais, mais je crois que Bibi, elle est pure. Bam 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 bam. Ah si, Bibi, elle encore là. Trop beau gosse, non, je pense que c'est la photographe qui fait tout. Hein. Bibi étendait son linge, ok. Tu me fatigues. Genre t'as besoin de moi pour être fatigué quoi. Genre t'as besoin de moi pour être fatigué quoi. Ah! Il disait qu'il y avait une nouvelle galaxie, c'était ça? Le défi du... Ah non, non, non. Non, non. Alors, part pour les abeilles. Moi, Kiki me fait peur, c'est comme les Kirby. Ah, comme les Furby. Je vais dire Kirby, Kirby qui te fait peur, ça va pas, non? Ça va pas, non? Le clan Scarabée contre-attaque. Parce que j'ai cassé la gueule de tout le monde, alors du coup... Pas content quoi. Pas content, regardez. Vous avez vu comment ils sont pas contents? Ils font du boudin. Ah, la musique est vénère. La musique est vénère. La musique est vénère. La musique est vénère. Le clan Scarabée nous attaque. Merde. Tiens. Tiens, t'as-tu vu si tu m'attaques? Oh, mais ils vont trop vite. Eh mais je les reconnais eux. C'est dans Mario Sunshine. Maintenant j'ai la ref. Oh le bâtard. Tu bâtard. Ah tiens bah voilà. Bah dans ta gueule. Dans ta gueule. Tiens. J'ai encore, je crois, moi, Furby, même si tu enlèves les piles. Je viens de taper dans ton sommeil. J'ai tellement de trucs que je sais même pas. Il me semble que, ouais, la chance. On a récupéré plein de cartouches, mais on n'a pas les jeux que mon frère avait. Mario World et Furby. Kirby, plutôt. Je vais revendre, alors, je te dirais, si tu veux, effectivement, une parmi les jeux Game Boy. Ce serait une Madeleine de Prout, évidemment. Les fameuses Madeleines de Prout. Parlant de Madeleines de Prout, faudrait que je fasse des vraies Madeleines, moi. Lol, Prout. C'est rigolo, les Prout. C'est rigolo, les Prout. C'est rig. Golo les proutes. C'est rigolo les proutes, les proutes, les proutes. Arrêtez de parler de Madeleine. Je vais devoir en faire après. Ah j'ai cru que t'allais... J'ai cru que t'allais nous dire... que t'avais très envie de manger des Madeleines. Quand tu vas te promener. Bim 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 bim.
Des madeleines au moule. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, les madeleines salées, hein? Non! J'ai vu qu'au dernier moment, là! Me voilà au lit avec vous. Je suis HS, besoin de vacances. En même temps, t'es en vacances. Ça nous fait chier, t'es en vacances là. Alors que nous, on n'y est pas. Hop, voilà, eux, je les passe. Je fais une gamma et Adeline dans un moule à gâteau. Est-ce que ça marcherait? Bah oui. Dis-moi, tu voudrais bien leur faire entendre raison. Entendre raison. En gros, tu voudrais pas leur casser la gueule. Quoi? Je me fais attaquer. Vous avez vu ça? Il est vénère. Putain, il est vénère. Oh là là, il fait des tours en plus. Il fait des tours sur lui-même. Merde. Mais non, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Mario? Ah non, mais il s'est barré! C'est dommage. Ah, il me balance des caca. Il me balance des caca, là! Non, mais non, mais non! Oh, pitié! Pitié, pitié, Mario! Faut pas que je fasse ça. Ah mais ouais, mais carrément en fait. Voilà. Carrément plus simple. Mario World, j'ai sans doute à voir. Attends. Mario World, j'ai sans doute aussi à voir. Ça me force à trier. Une recette sur le site de Chef Nini. C'est un chouette site de cuisine avec plein de recettes. Blablabla. Pam 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 pam. Eh bah bonne nuit Bibi. Une nouvelle galaxie. Un goinfre Lima. Oh mais que de choses, que de choses, que de choses. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On va aller voir. Regardez, nouvelle galaxie. Ah, des dalles. Ça va être beau. Bam 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 bam. Il est où le goinfre? Il est là le goinfre, regardez. Combien il t'en faut? Combien t'en veux?
Étoile, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais manger plein. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 400, je me transforme. Bah, j'en ai 1000. 1000. J'en ai 1000. Ça y est, je suis repu. Allez, on y va. Transformation. Et bam, il explose. On fait quand même exploser des êtres conscients, quoi. Je suis pas sûr que ce soit très très sympa. Hein. Et bah c'est ok. Si on parlait à machine. Oh! Regardez le garage, ça a grossi. Regardez ça. Papalala, nous avons enfin terminé le vaisseau champignon qui nous servira à chercher les super étoiles. C'est notre brigade de recherche Toad qui en... j'ai pas lu. Bien sûr, le capitaine qui dirigera les opérations, c'est WAM. Bientôt, les exploits de la brigade Toad seront connus dans toutes les galaxies. A bientôt, détour d'une galaxie. Ah ouais, c'est de temps en temps, on va pouvoir les croiser en fait, c'est ça. Je vais lâcher le tel, donc mode logging activé du coup, bonne nuit pour après. De toute façon, là, je vais arrêter là. Je vais arrêter ici parce que je suis fatigued. Et donc là, ça va être la fin de ce stream. Et ça va être la fin de cette VOD YouTube. Je sais pas si on doit sauvegarder ou pas. Ah, ils avaient dit plus, c'est ça? Non, arrêtez la partie. Non, mais je... Hop, reprendre. Non, mais de toute façon, ça avait sauvegardé. Hein. Donc, je te fais des bisous YouTube. Et à bientôt pour la...